Bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous savez que tester les morning routines des gens, c'est mon concept préféré sur cette chaîne, je crois. Et figurez-vous que j'ai déjà fait Hailey Bieber, mais c'était il y a plus de 2 ans. Depuis, elle a sorti une marque, elle fait beaucoup plus de contenu sur les réseaux, donc on a plus d'infos. Go faire l'update. Franchement, je pense que je vais bien aimer, parce que déjà, elle se réveille à 7h. C'est ni trop tôt ni trop tard. Genre 7h, je trouve que c'est parfait. Et elle va pas sur son téléphone au réveil. Mais ça, vous savez que moi, c'est vraiment genre mon plus grand secret. Je suis une autre personne quand je vais pas sur mon téléphone le matin. Donc, je suis contente. Attendez, parce que je me dis si elle va pas sur son tel, elle se réveille à 7h. Elle fait son lit forcément. J'ai pas cette info, mais je pense qu'on peut quand même supposer. Donc on va faire notre lit. Go me brosser les dents. Est-ce qu'on peut avoir un débat, genre un peu dégueu, pour commencer cette vidéo? En gros, toute ma vie, je me suis brossé les dents après mon petit déj, juste avant de partir, quoi. Et en fait, un jour, il y a des années, j'ai regardé une vidéo YouTube d'une américaine, elle est affreuse. Ça me saoule. Qui disait? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Attendez, du coup, je me rends ça là, je le dis après. Donc, il y avait une américaine que j'ai vue sur une vidéo YouTube qui a dit qu'il fallait se brosser les dents au réveil parce qu'on avait des bactéries qui se formaient dans la bouche pendant la nuit. Et du coup, quand tu manges, ça me dégoûte. C'est pour ça que je dis c'est un débat dégueu. Tu avales tes bactéries. Depuis que j'ai entendu ça, je peux pas genre manger sans m'être brossé les dents. Et du coup, je voulais savoir si j'étais la seule dans tout l'univers à pas être au courant ou si vous aussi, toute votre vie, vous mangez d'abord votre petit-déj et ensuite vous brossez les dents. Je sais pas. J'ai super faim ce matin. Et croyez-moi. On n'est pas prêt de manger. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait un café protéiné. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit... C'est-à-dire, j'ai jamais vu un truc comme ça. Elle fait un shot de café, un protein shake chocolat qu'elle mélange et elle met tout ça dans une tasse avec des glaçons. Je déteste le café. Et vous savez, dans toutes ces vidéos-là, en général, j'achète un truc de café, j'essaie de goûter et tout. Mais vraiment, je gâche à chaque fois parce que genre vraiment, je vous jure, je n'y arrive pas. Donc je me suis dit, on va tester la même chose avec du matcha. Surtout que du coup, j'ai regardé si Hailey Bieber allait mettre le matcha. Parce que quand même, on va pas faire un hors thème non plus. J'ai trouvé cette photo avec du matcha, donc je me dis que c'est bon, elle aime bien. Mais du coup, on va tester du matcha avec une espèce de boisson au chocolat. Je pense que ça va être pas bon. En sachant qu'en plus, j'ai pas réussi à trouver vraiment la même chose parce qu'aux États-Unis, ils ont tous les trucs du monde. Nous, est-ce qu'on a vraiment du protein shake? Je sais pas, j'ai jamais vu. On fait chauffer de l'eau. Une cuillère à café de matcha. Nous avons soit du lait d'amande chocolat qui est censé être assez protéiné, ou alors on a les desserts chocolat et c'est genre 100% de la protéine. Je ne sais pas. En fait, ça c'est comme de la gelée, donc je pense que ça va être vraiment trop épais. Donc je pense qu'on va mettre juste du lait d'amande chocolat un peu protéiné. Et elle verse tout ça dans une tasse de glaçons. Franchement, on dirait presque ce qu'elle a fait dans la vidéo. On oublierait le fait que ce soit du matcha. J'ai très peur que ce soit dégueulasse par contre. Franchement, c'est bon hein. Je préfère avec du lait d'amande normal, mais c'est pas dégueu hein. Je suis en train de me dire, Hailey Bieber, on connaît l'histoire de sa peau. Enfin, juste, elle est incroyable. Donc je suppose qu'elle s'hydrate. Donc c'est de me dire, ok, on dit aujourd'hui, n'oublie pas de boire. Donc on commence dès le matin. Ok, bon, il faut que je finisse mon petit matcha protéiné. Pourquoi je prends les protéines? Parce que je fais du sport. Et je m'appelle Hailey Bieber, bien sûr. Parce que là, je vous parle pas de moi. Vous avez compris. Elle fait du pilates. Genre, c'est vraiment son sport préféré, ça ne change pas. Et vous savez comment j'ai trouvé qu'elle faisait des pilates? Parce que les paparazzi la prennent en vidéo à chaque fois qu'elle sort de sa séance de pilates. Voilà. Donc on va faire une séance. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de sport. La dernière fois que j'en ai fait, c'était pour une vidéo à la rentrée où je faisais du sport avec mon mec. Sinon, j'en ai pas refait depuis. Et ça faisait déjà très longtemps que j'en avais pas fait. J'ai un tout petit peu, mais alors un tout petit peu la flemme de faire du sport. Mais il faut pas que je réfléchisse. Oh non. Ma tenue préférée n'est pas propre. Du coup, je dois mettre une tenue que j'aime moins. Donc je suis forcément moins motivée. C'est pas de ma faute. Hein. Ah, vous savez que c'est très drôle parce que littéralement, je ne sais pas où est mon tapis de sport. J'espère que c'est dans ce placard. Si c'est pas dans ce placard, c'est nulle part. En fait, ce placard, j'ai un traumatisme parce que, je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo, il y avait une araignée dedans. Une araignée. Ça ne la gère. Ah non, je peux pas. Et quand je vous dis que ça m'a traumatisée, depuis j'ai plus envie de l'ouvrir. Par contre, c'est pas là. Littéralement, est-ce que j'ai encore un tapis de sport? Où est-il?
Je l'ai trouvé, c'est bon. J'ai trop la flemme. Venez, je fais une petite séance. En fait, je préfère me fixer genre un petit objectif, mais le faire et j'aurais été fière de moi à la fin. Parce que vraiment, quand tu dis ok, je me tape une séance d'1 heure et genre tu n'arrives pas jusqu'au bout, tu sens comme une merde. Alors que là, si je me dis ok, je vais faire une séance de 20 minutes, c'est bien. On va mettre Move with Nicole. 20 minutes. Let's go! Oh mon dieu, j'ai perdu toute ma souplesse. J'ai fait 10 ans dans ce classique, je pouvais lécher le sol. Quand je vous dis que je vieillis, dans les commentaires, vous me dites non, pas du tout, Andy. Regardez. En vrai, c'était incroyable. Je suis trop fière de moi. Je sais que j'ai fait que 20 minutes de sport. Genre, bon, c'est pas le bout du monde, mais j'en fais tellement pas en ce moment. Par contre, là, je suis endormie. C'est trop bien. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la barre d'infos, comme ça, vous pouvez faire la même chose. Hailey Bieber, elle fait un truc. C'est grave à la mode en ce moment. Elle fait le cold plunge. Plunge. Je sais pas comment ça se dit, je sais même pas comment ça s'appelle. Ils achètent tous là, les gens, les célébrités, etc. Des espèces de baignoires glacées qu'ils mettent tous dans leur jardin. Et ils se trempent dedans le matin, genre avant ou après avoir fait du sport. Et c'est genre censé être ultra, ultra, ultra froid. C'est genre comme si tu te baignais dans des glaçons littéralement. Et elle fait ça. Elle va faire un bain d'eau froide. On va aller le faire. Vous venez avec moi? C'est un peu gênant d'être en bain de bain sur YouTube, non? Je pense que cette scène va être très gênante dans tous les cas. En fait, je me dis, je vais pas prendre un bain. Genre là, ça va gâcher trop d'eau, c'est ridicule. Mais je vais déjà me mettre sous l'eau froide. Pour moi, c'est ça le plus gros défi, genre. Les pieds, ça va, mais déjà, c'est froid, quoi. Je vais essayer de monter au fur et à mesure. Non, mais là, le ventre, c'est pas possible. Il disait sur les vidéos qu'il fallait respirer. Ok, faut que j'y aille d'un coup là, on va pas y arriver sinon. Je suis en face de cette personne, que dois-je faire? A, j'appelle de l'aide. B, je pars très loin en courant. La situation présentait des risques. A, oui. B, non. Je vais trouver un iPhone. Je vais trouver un iPhone, vraiment. C'est normal? Je vois noir quasiment. Oh, je l'ai fait, hein. J'ai la sensation que je vais tomber dans les pommes. C'est trop chelou, là. Là, je suis bizarre, là. En fait, je vous jure, là quand je redescends dans mon truc, j'étais grave pas dans un état normal. Ça m'a fait un choc dans mon cerveau, genre. J'ai l'air complètement débile à dire ça, mais je vous jure que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je me suis remise en tenue de sport. Par contre, j'ai pas bu, là. Ça va pas du tout. Je vais chercher de l'eau. On va faire le smoothie préféré de Justin Bieber, qui est littéralement le mari d'Hailey. En gros, elle a fait un TikTok où elle montrait le smoothie préféré de Justin, qu'elle lui faisait quoi, qu'elle boit aussi. Donc on va le faire, j'ai acheté tous les petits ingrédients, franchement c'est un smoothie hyper simple. Elle met du lait d'amande, une banane, des petites blueberries, des framboises et de la protéine. Je vais mettre de la protéine. En plus, ça, c'est du collagène, donc très bon pour la peau et dans le thème. Là, on voit qu'elle rajoute aussi un peu de protéines, comme pour ce matin, là, l'espèce de shaker, mais sans goût. Comme j'en ai pas, je pense que je vais mettre... Je sais pas si c'est bien, mais en vrai, je pense que oui. Je vais mettre un tout petit peu de beurre de cacahuète, parce que c'est plein de protéines. Et aussi parce que c'est très très bon. Du lait d'amande. Let's go! C'est grave bon. Avec le peanut, c'est incroyable. De toute façon, les smoothies, c'est vraiment trop bon. Genre, tu peux mettre n'importe quoi. Tant que tu mets genre un fruit dedans, ça sera toujours trop bon. Ça y est, je me suis douchée, j'ai terminé mon smoothie, etc. Franchement, je me sens très bien. Je suis trop contente. On va se faire skincare plus make-up comme Hailey Bieber. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai acheté les produits. Je suis très contente de pouvoir les tester enfin. Il faut savoir que je les ai commandés exprès pour cette vidéo et que je les ai commandés depuis les États-Unis. Parce que là, depuis très récemment, c'est dispo en France. Mais en tout cas, quand j'ai commandé, je me suis vraiment fait avoir parce que c'était depuis les États-Unis donc j'ai payé très cher. Road. This is Road HQ.
première étape, utiliser son glazing milk. Moi j'aime trop les produits comme ça, appliqués à la main. C'est comme une lotion un peu, mais là c'est vraiment un lait. Alors juste, ça sent vraiment pas très très bon, mais je crois qu'elle avait dit qu'elle ne mettait pas du tout de parfum dans ses produits, sauf pour les produits pour les lèvres. Donc ça expliquerait un peu ça. J'aime bien la sensation, c'est un peu collant, mais genre collant hydraté, vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'aime bien la texture. Bon là, je peux pas vous dire genre est-ce que c'est des produits qui sont efficaces, parce que bon, faut les tester quand même sur le long terme, mais en tout cas, pour l'application, etc., pour l'instant, j'aime bien. Elle met ce produit, qui est le Peptide Glazing Fluid. Il y a marqué couche d'hydratation pour une peau veloutée. Ça se voit que le produit il est grave léger, genre c'est vraiment un gel. Mais par contre le produit d'en dessous qui fait que c'est un peu galère à appliquer. Après moi j'aime bien, genre mais je pense à tous les gens qui ont genre une peau grasse ou quoi. Je suis pas sûre que vous kiffiez, mais moi j'en ai grave besoin sur ma peau donc ça va. Et ensuite elle vient appliquer sa crème Barrière Restore Cream concentrée riche pour le visage. Et je crois que celle-ci c'est une crème qui est grave épaisse. Hop. Oula oui, c'est épais. Moi j'adore les produits épais. Hein. Ouais, c'est grave épais, je sais pas si ça se voit quand j'applique. Genre je galère à étaler. Là, on peut pas faire plus hydraté que ça. Et dernière étape, on va venir appliquer son Peptide Lip Treatment. Genre c'est son best-seller, c'est apparemment le produit incroyable. C'est vraiment le seul truc que j'avoue j'ai pas pu résister. J'ai acheté genre le kit avec toutes les senteurs. Là c'est la version pastèque. J'aime bien ce produit. Je pense que je suis vraiment matrixée par les réseaux sociaux. On va pas se mentir, parce qu'on les voit partout et tout, donc forcément je l'aime déjà avant même d'avoir testé. Mais en vrai, il hydrate bien les lèvres, après, est-ce qu'il y a un truc de fou? Les goûts sont bons, mais j'aime trop, genre l'application et tout, c'est trop agréable. Maintenant, on passe au make-up, et avant, on va appliquer de la crème solaire. C'est indispensable pour elle, vraiment, Hailey Bieber fait extrêmement attention à sa peau. J'ai la chance d'avoir la même crème solaire qu'elle, la Elta MD SPF 46, c'est très précis. Et il faut toujours mettre 3 doigts. Ça va parce que ça pèle pas la crème, en tout cas cette crème solaire là. Si vous mettez trop de matière en dessous, ça pèle. Et là finalement, bah, ça fait rien. Du coup, elle a sorti une édition. C'est en rupture quand j'ai voulu commander, donc je ne l'ai pas. Mais elle a sorti un Peptide Lip Treatment goût fraise. Et du coup, elle a fait plein de petits make-up un peu inspiration fraise. Donc c'est ce qu'on va suivre aujourd'hui avec notre petit tuto. Donc elle commence par se faire faire le teint avec un petit fond de teint et un pinceau assez fluffy. J'aime trop ces make-up parce qu'en fait, ils sont toujours ultra naturels. Et c'est vraiment ce que je préfère. Un peu d'anti-cerne et sur mes boutons qui sortent de je ne sais d'où. Je sais pas ce qu'elle a cette peau en ce moment. Je l'applique au même pinceau comme ça, c'est vraiment naturel. Ça se fond un peu dans la peau. Ensuite, elle fait ses sourcils. Ensuite, elle lui met un blush assez rouge finalement. Donc on va faire la même chose. J'en ai un qui est incroyable. Quand j'ai dit rouge, j'ai pas blagué, on dirait du rouge à lèvres. On va essayer de pas trop en mettre. Et y aller au fur et à mesure. Je trouve qu'au niveau de la teinte, ça ressemble vraiment à ce qu'elle a. J'ai vraiment mis le blush avec le bout du pinceau. Je vais faire le bronzer ici pour réchauffer un peu le teint. Ensuite là, elle lui met un petit peu de poudre. Et elle vient fixer son make-up avec un spray fixateur. Mais est-ce que j'en ai un ici? Oui. Et là, elle vient lui faire un espèce de liner fumé avec un fard un peu genre rouge foncé. Putain, mais quand je vois que là j'ai suivi les mêmes étapes qu'elle, j'ai pas du tout le même teint qu'elle. Hein. Enfin, elle a vraiment genre naturellement le teint grave lumineux, c'est un truc de fou. Elle met un tout petit peu de mascara. Moi j'en mets beaucoup plus d'habitude, mais je vais faire comme elle. Ok, et là elle rajoute par-dessus du blush extrêmement rose. J'ai ce blush là qui pourrait matcher, qui est peut-être quand même un peu clair. Je pense qu'on va mixer celui-là avec celui-là. C'est extrêmement rose. Mais par contre sur ses yeux, sur la paupière, je pense qu'elle a pas montré, mais pour moi elle a un espèce de pêche un peu sur la paupière. Je vais en mettre parce que là j'ai l'air fade. Ouais, c'est mieux quand même. Je sais pas si on voit, j'ai l'impression qu'on voit rien. C'est quand même beaucoup mieux. Et les lèvres, elle les dessine grave. J'ai juste pas la teinte exacte qu'elle a. Le contour des lèvres et on va mettre un peu de gloss. Et voilà pour le make-up. Moi je suis juste habituée à un petit peu plus de mascara. Mais sinon ça change, c'est très blushé quoi. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. En tout cas ça lui va beaucoup mieux à elle qu'à moi. Pour la tenue, on va pas se mentir. Je sais déjà ce que je vais mettre. Pas
pas pendant ma vidéo. Je sais déjà ce que je vais mettre. Hailey Bieber, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que moi je l'imagine avec un blazer. C'est très Hailey Bieber, blazer oversize. Et souvent, c'est quand même très jambes à l'air, petit talon. On va essayer de recréer un look un petit peu comme ça. Une jupe noire, basique. Avec bien évidemment le blazer pour vraiment porter en ensemble. Juste, je sais pas quelle couleur de t-shirt je mets en dessous. Peut-être gris. Ah bah voilà. Et je mettrai une petite paire de talons en bas. Ok, je vais mettre ça. Voilà ma tenue. La jupe classique, le t-shirt, le blazer, voilà, franchement ça j'aime trop. Ce genre de sac, je sais que les Bottega comme ça, elle adore. Je pense que la tenue elle aurait été encore mieux si j'avais eu cet ensemble en beige avec un t-shirt blanc. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas. Chignon bien plaqué, je sais pas bien les faire, mais vous avez l'inspi. Et des petits talons. Non, j'ai oublié un truc très important. Le genre de tenue dans lequel je suis incapable de sortir, on est bien d'accord. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je suis pas sûre. J'aime bien, hein, je trouve ça beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que je devrais plus m'habiller comme ça ou pas trop? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai bien aimé cette morning routine. Genre là, je me sens grave bien. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de temps le matin pour faire tout ça. Mais malgré tout, genre ça fait trop du bien de prendre le temps de faire des trucs qui changent. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 500 000, j'ai trop hâte. Et n'hésitez pas à vous abonner à Insta, TikTok, bon, un peu partout. Vous pouvez activer les notifs, comme ça vous ne loupez pas les vidéos. Parce que je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai déjà dit? Je sais plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. It's calling me.